Auxerre 15e reçoit Valenciennes 13e. Les Valenciennois sont déjà sauvés alors qu'Auxerre a besoin de points pour être sûr de rester en Dominos League 2. Les Auxerrois doivent donc prendre le match par le bon bout et marquer en premier pour se sentir libérés. C'est le cas grâce à cette jolie réalisation de Rémi Dugimon dès la 4e minute. Le service de Daniel Mancini est impeccable et Dugimon inscrit son 4e but de la saison. Le stade de la Baie des Champs peut commencer à respirer. Cédric Dory et son équipe font le début de match rêvé. Et Valenciennes se fait piéger. Les Valenciennois qui ne risquent rien mais qui aimeraient terminer la saison sur une bonne note. Il y a 2 points d'écart avant le début de la rencontre entre les deux clubs. Valenciennes qui essaye de réagir sur ce coup franc en seconde période. Mais Robaille ne trouve pas le cadre. Pas énormément d'opportunités dans cette rencontre. Une victoire sur les 12 derniers matchs pour la JOCR, ce serait bien de terminer par ce succès. Mais Valenciennes réussit à revenir grâce à un but contre son camp de Loïc Goujon. Un coup dur pour Auxerre, 52e minute. Un but partout entre les deux équipes. Un petit peu de suspense, Auxerre ne peut pas se permettre d'encaisser un but supplémentaire. Des Auxerrois qui tiennent le match nul jusqu'au bout. Un but partout entre les deux formations. Auxerre termine la saison 15e et rejouera bien en Dominos League 2 la saison prochaine. Valenciennes termine 13e.